Regardez du côté du football, tout autant que Nordin Seyr, vous le connaissez, grand cinéphile devant l'éternel, mais ce monsieur a été entraîné par Hassan Arsby et pouvait être joueur aussi à l'IRT, où il a été junior. Donc nous avons énormément d'intellectuels qui, au Maroc, s'intéressent, connaissent à fond le football, aiment le football, connaissent les schémas tactico-techniques, ils sont capables de vous parler du football comme des entraîneurs spécialistes. Donc, du côté de ces intellectuels qui se sont quelque peu désintéressés du foot, qui ont déserté les stades malheureusement pour diverses raisons. On peut en citer certaines liées à la violence, au hooliganisme, à l'arabisme, à la pourriture, par l'argent qu'on retrouve malheureusement dans le sport, qui est souvent utilisé à des fins autres que celles relevant des valeurs du sport. Vous savez que dans les années 60, 70, comment les présenter? Disons, la gauche marocaine s'est désintéressée du sport, du football, qu'elle considérait comme à tort, comme étant un opium du peuple. Vous vous rendez compte? Alors, oui, et ça, c'est toutes des problématiques qui ont traversé la société marocaine qui aujourd'hui se retrouve sans intellectuels dans les stades. Bien, alors on va y revenir parce que c'est un point très précis sur l'école, sur justement cette réflexion. Et on va écouter un autre témoignage d'un grand monsieur, Najib Salmi, bien sûr, grand journaliste, fait partie de la grande famille des journalistes de qualité, on va le dire, et on souhaite que son héritage, en tout cas, et sa culture de l'être se perpétue, et qu'il puisse également nous honorer par sa présence bientôt. Eh bien, on va écouter d'abord ce que dit Najib Salmi. Belaïd Boumi est un garçon attachant qui gagne à être connu. Peu, pour ceux qui ne connaissent que, et ne connaîtraient que ses articles, pensaient que c'est un polémiste féroce et qui, quelquefois, prend position très tranché, dans lesquels il va à contre-courant de la bien-pensance. Voilà, c'était Najib Salmi. On rappelle que vous avez été réélu à l'unanimité à la tête de l'Union africaine de la presse sportive pour un deuxième mandat de 4 ans. C'était en avril 2009. Et on comprend évidemment pourquoi Najib Salmi fait ce témoignage. On lui a parlé tout à l'heure au téléphone et ça lui a fait vraiment plaisir de vous rendre hommage. Oui, Najib Salmi est un grand cinéphile. Il est aussi, mine de rien, quelqu'un, un intellectuel en souffrance, je dirais. Ouais. Et c'est vrai que pourquoi en souffrance? C'est un compliment d'être un intellectuel en souffrance au Maroc, je pense. Bah absolument, voilà, c'est une bonne réponse. Je pouvais trouver une autre réponse, mais celle-là, je la trouve bonne. Donc, jamais dans cette case. Il a dit deux mots, il a dit garçon, ça m'a beaucoup plu. Et pensance, exactement. Pensance, voilà. Pensance. Effectivement, lui non plus ne se place pas dans un cadre normatif. Et c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui a toujours secoué le cocotier. Ouais. Il reste le dernier. C'est jamais le premier à aller au front. Mais il est sage. Il regarde. Il analyse. Il prend position. Et souvent, c'est lui qui a raison. Il a raison. Ouais. Il peut avoir raison contre tout le monde. Hein. Il est calme. Il est serein. Il est bon. Vous savez, être mais journaliste... Pourquoi dit-il que vous êtes quelque part à contre-courant? C'est votre tempérament? C'est votre... Non, pas... Vous savez, quand vous analysez la presse sportive, c'est quoi la presse sportive, en fait? C'est une presse qui est en construction. Toujours. Hein. La presse sportive a péché par manque de compétences, de formation pendant très longtemps. Vous savez, on peut faire l'histoire de la presse sportive. Mmh. Eh bien, qu'est-ce qui lui manquait exactement? On la doit aux instituteurs. Qu'est-ce qui lui manquait à cette presse sportive? Alors attendez, aux instituteurs. Quand les instituteurs ont rempli des cases vides à un moment pour faire le journalisme sportif, eh bien, ça a donné le passage d'une pédagogie de classe à une pédagogie de presse qui réclame en principe l'investigation, qui réclame le reportage, qui réclame l'enquête et qui n'a rien à voir avec l'INSHA. Hein, la rédaction, c'est autre chose. Donc on a eu droit à des rédactions pendant une décennie, même plus. Donc vous dénoncez la presse scolaire, non, la presse sportive scolaire. Je ne dénonce pas du tout. Moi, je dis c'est l'histoire. Ouais. Ça, moi, j'y change rien du tout. C'est l'histoire, c'est notre histoire. Il était impossible d'avoir des journalistes sportifs dans des canards. Vous vous rendez compte, un directeur de journal qui payerait un journaliste sportif, mais ça ne l'intéressait pas. C'était, bon, ça faisait 2-3 pages, ça faisait les pages les plus lues, tout ce qu'on veut, mais on ne reconnaissait pas l'existence d'un journaliste sportif formé pour être journaliste sportif professionnel reconnu. Aujourd'hui, c'est possible. On a même une radio, Radio Mars, pour ne pas la nommer, qui est spécialisée rien que dans le sport. On est journaliste sportif, mais avant, c'était pas ça. C'est une révolution. C'est une révolution.
de l'espace audiovisuel. C'est profonde révolution, c'est très profonde révolution. Profonde révolution, parce qu'aujourd'hui, on ne fait discuter que sport, ouais, culture sportive, littérature sportive. On finira par nous imposer en tant que spécificité par rapport à la société bien pensante, n'est-ce pas, qui est dans ses normes, la classe politique, l'élite, hein, qui considère le sport comme étant quelque part vulgaire, ouais, hein, vulgaire. Loisir, en fait. Au sens voltairien, ouais, si vous voulez. Et donc, loisir, bien sûr, loisir, quelque chose qui est indispensable, qui s'impose, mais qui n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, dans le cadre de la pensée normative. Mais je suis très heureux que quelqu'un qui s'appelle Abdelhamid Chedadi, qui est traducteur d'Ibn Khaldoun, qui vient de traduire la Mokdima dans la Pléiade, qui vient de sortir une revue qui s'appelle Nouvelle littéraire du Maroc, qui est très intéressée justement pour que cette revue réservée aux intellectuels se mette à parler sport et football. C'est une bonne chose. Très bien. Eh bien écoutez, on va encore suivre un autre témoignage de Najib Salmi. On écoute. Dans son métier de sportif, il a un boss. Il réfléchit sur les événements avant que de les commenter. Parce que ce garçon est attaché à la vie associative, à la structuration de la société, à un devenir meilleur, ce qui ne l'empêche pas d'être à ce que font les jeunes. Il n'y a pas de conversation au Bled Boumid. Au lieu de parler des années 80-90, il a bien connu, vous attire votre attention sur tel ou tel jeune qui a percé dans la presse et qui est son nom. Il fait très attention aux jeunes et ça, c'est un côté assez sympathique chez Belaïd. Et voilà, Najib Salmi qui confirme que vous aimez les jeunes et c'est pour ça que vous avez accepté de venir à l'émission. Les jeunes, on ne peut pas vivre sans les jeunes. L'évolution, il vient. Les jeunes interpellent, ils dérangent. Vous savez, et c'est ça qui est intéressant. Il dérange par quoi? Vous savez, il y a Mohamed El-Hababi, l'économiste, juriste, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Les années 80 dans notre jeunesse ». Vous vous rappelez de ce livre? Bon, personne n'a fait attention à ce petit livre. Et c'était un livre de prospective sur la jeunesse. Malheureusement, c'est Mohamed El-Hababi, comme étant sérieux, économiste, hein, pointilleux. Donc, il n'a pas accordé un grand espace au ludique, au jeu, à la jeunesse, dans ce qu'elle peut apporter à travers un certain nombre de comportements qui paraissent invisibles à l'œil de l'adulte quand ce dernier veut imposer ses normes. Donc la jeunesse, elle s'exprime par divers moyens qui sont très complexes. Regardez ce que fait Bourdieu quand il analyse la jeunesse. Regardez ce que font un certain nombre de ce sociologue d'avant-garde quand il s'intéresse à la jeunesse. Il n'y a jamais de préjugés sur les jeunes. Les jeunes, ils peuvent s'exprimer. Il y a du qualitatif dans toute action de jeunes, pourvu qu'on ouvre les yeux et qu'on en tire profit. Vous savez que nombreux artistes, hein, ont réussi dans leurs œuvres. Regardez ce qui se passe dans l'underground aux États-Unis. Quand Bourdieu parle des jeunes, il y va un peu fort. Effectivement, il incrimine l'école comme quoi elle est en fait une transmission d'inégalités. Justement, pour cadrer les choses, vous avez été témoin des années 70-80, des grandes gloires, des moments de victoire marocaine, du grand nationalisme. Aujourd'hui, il manque quelque chose à la chaîne. Il a manqué un maillon. Lequel, selon vous? C'est aux jeunes de le dire. Moi, je peux faire des constats sur un certain nombre de choses qui peuvent relever du qualitatif, comme je disais tout à l'heure. Quand je dis qualitatif, c'est pas toujours bon. Ça peut être considéré comme étant négatif. Moi, j'essaie de porter un regard positif sur tout, en tous les cas, sans préjugés. Ouais. Sans préjugés, parce que on ne peut pas contrer l'histoire et l'évolution des choses. Alors l'évolution, elle peut déraper comme elle peut être positive. On peut chercher les causes à ce moment-là et s'impliquer dans la responsabilisation du décideur, de l'intervenant direct, de ceci, cela. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées dans ce pays et bravo aux amateurs. Vous savez, quand vous prenez les Zazl Frey, hein, qui a réussi des choses extraordinaires amateur, en tant que gardien de but, en tant qu'amateur, le jour où on lui a versé 70 dirhams, il a dit « Mais pourquoi 70 dirhams ?» Il dit « C'est parce que vous avez joué. » Quoi ? Jouer au foot ? Vous payez ceux qui jouent au foot ? Ça a commencé comme ça. Alors, imaginez les gens de l'indépendance, et pendant 20 ans, ce sont des gens qui se sont conformés à cette règle olympique, la participation, l'amour... Ouais. Désintéressé par rapport à des sportifs et dire qu'on les traitait de slags, ces gens-là. Hein?
Le football, c'était sale gosse, Simled, vous écoutez, on a l'impression que c'était mieux avant, que, qu'aujourd'hui c'est pire, qu'aujourd'hui il n'y a plus de valeur. Que... Est-ce que c'était mieux avant pour vous? Non, mais vous savez, en anthropologie, relisez un peu Claude Lévi-Strauss. Il vous dit que, bon, lui, il s'intéresse aux sociétés primitives, certes, dites primitives, certes. Mais il y a une réaction anthropologique qui fait que chaque génération veut se présenter comme étant la génération idéale. Ça, c'est pas neuf. Hein. Ça, c'est pas neuf et c'est normal. On vous dira, ah, ma génération a été... Non, on s'accroche à des modèles, des sous-modèles aussi dans le grand modèle, et qui font que chacun croit avoir fait l'essentiel dans... Non, chaque histoire a ses spécificités. On a l'impression qu'elle est mauvaise, qu'elle est dégradante par rapport à celle précédente qui l'a précédée, mais il faut analyser, il faut pas... Il y a du simplisme dans ce raisonnement qui, à la limite, devient moraliste. Et ça, c'est mauvais. Donc non, chaque époque, chaque période a ses spécificités et il faudrait savoir regarder, analyser, être patient. En tous les cas, jamais prendre position à travers le gourdin, quand on est hégémonique, je dirais, ou à travers le gourdin symbolique, quand on est moraliste. Et, vous savez, moi j'aime beaucoup ce très beau film qui s'appelle Ouchma de Hamid Benani, qui pour moi restera. Alors là, il y a de la nostalgie dans ce que je dis, l'un des meilleurs films de ce grand cinéaste qui est peut-être notre Fellini, qui a fait ce film-là, donc, que moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de charges de ce grand philosophe, attention, hein, qui est un très grand lecteur de Jean-Paul Sartre dans le texte, et qui est un cinéaste, qui est passé à côté de la plaque, certainement parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais est-ce qu'on va dire que Hamid Benani est mieux que ceux qui sont arrivés par la suite? Non, je ne crois pas. Mais en tant que fondateur d'un type de cinéma, hein, qui est fellinien quelque part, qui relève du néo-réalisme, le vrai, c'est un grand qui peut insuffler un nouveau sang à la réflexion. Et vous savez, la création, qu'elle soit de 70, de 80, de 90, ou 2000, ou 2040 ou 50, il n'y a qu'un type de création, c'est la qualité, et c'est des valeurs qu'on colporte à chaque fois qui veulent dire, je ne sais pas, on dirait contester. Oui, oui, critiquer, contester. On va s'arrêter à 2010, vous êtes parti sur 2050, on s'arrête à 2010. Et moi, je voudrais revenir, et vous, d'abord, avant d'écouter Najib Salmi qui continue effectivement à témoigner par rapport à vous, l'école d'aujourd'hui, l'école publique, on a vu une vacuité des programmes, une métamorphose un peu modeste. Est-ce que justement la place du public qui a laissé la place au privé est une erreur quelque part pour la société marocaine? Mais on écoute d'abord Najib Salmi et on offre l'occasion de répondre bien sûr à Sibylaï de Bouhimi. Aussi sympathique que son dessin, on connaît Belaïdjan sportif, on le connaît, le commentateur des événements de la scène sportive, mais il y a l'aide qui est caricaturiste, une plume très élégante et surtout un garçon qui est amoureux des livres, amoureux de la culture, amoureux de la peinture, amoureux des contacts et qui maintenant 4 ans, il est président de l'Union des journalistes sportifs africains. Est un garçon qui montre une très très belle... Il a déjà visité plusieurs pays africains malgré le peu de moyens dont il dispose. Son quartier, sa maison est devenue le rôle de pas mal de plumes du Zaïre, du Sénégal, de la Libye, de la Guinée, de ce pays africain. Voilà, c'est un grand hommage de Najib Salmi à Belaïd Bouhimid, oui, qui rappelle aussi vos talents de caricaturiste qu'on peut voir sur le site radiomars.ma. Oui. Vous postez à peu près deux caricatures par jour. Voilà, c'est un...